Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, bah, vu que j'étais pas sur l'ancienne vidéo, hein, on va faire pas un duel, mais un triel. Et on attend qui? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Mais je suis chez Paul. Et Deb? Ça va revenir, non? On va ramasser. On démarre cette nouvelle vidéo, ce nouveau triel. On a le mec qui, je pense, est un des gars les plus fous, en vrai, je pense. Non. Le patron de garage le plus fou, pour de vrai, pour de vrai. Un petit peu. Un petit peu, c'est sûr. On démarre cette vidéo dans 3, 2, 1... On est avec Kamel à la maison. Salut. Qui a fait le déplacement. Bonjour. Combien tout le monde. De temps? 5 heures de route. 5 heures de route pour venir à la maison. En fait, on en a parlé pour l'histoire rapidement. On en a parlé quand j'ai acheté la voiture. Ouais. En septembre. C'est ça, exactement. Et il m'a dit oui, c'est bon, je viens à la maison et compagnie, mais il savait pas combien d'heures de route il y avait. Bah, je pensais franchement que c'était à 2h30. Il y avait quand j'ai mis Waze, j'ai dit heureusement que je dois tenir ma parole. Mais bon, je suis très très content d'être là et de voir votre bébé. C'est vraiment exceptionnel. Cool. On va faire aujourd'hui un coffrage. Tu peux te rapprocher, Matt. On va expliquer. On va rallonger la marche. En fait, la dalle, elle va arriver jusque-là. Donc nous, on veut que cette marche-là, la première, elle soit un petit peu plus longue. Et un petit peu plus large pour que ça fasse comme un support quand on arrive. Et donc, on va attaquer ça. On va le dessiner ainsi de suite. Mais avant, tu peux te présenter en deux mots. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Moi, je vais raconter. Alors, comment on s'est connus. Ouais. Mais c'est quoi ton... Pourquoi t'es là? Moi, je m'appelle Kamel. Déjà, je suis là pour t'aider. Parce que j'ai vu que ça traînait un peu. Donc déjà, je vais t'aider. C'est un pro de la Réno. Hein. Non, jamais. Pas, non, pas du tout. Pas du tout. Manuel, un truc de donc, moi, je m'appelle Kamel, j'ai 36 ans. Je suis de hier Toulon. J'ai créé un garage qui s'appelle Monster Garage 83. Donc, c'est un petit garage. On est que deux. On n'a pas d'employés. On est spécialisé voiture de vente, achat, vente de voitures de sport. Ouais. Que ce soit de la Golf GTI jusqu'à de la Lamborghini Aventador Ultimae par exemple. Exactement. Donc l'histoire du garage, c'est un petit garage qui commence avec un billet de 500 euros et aujourd'hui on est plutôt pas mal. Vous êtes plutôt pas mal. Nous, comment on s'est rencontrés avant qu'on attaque, c'est bien que vous sachiez aussi, on suivait sur les réseaux rapidement et il a dit qu'il voulait organiser un événement. Comme ça, je vous raconte toute l'histoire. Ouais. Un événement gratuit pour faire découvrir justement le métier de garage, c'est ça? Ouais. Parce que tu avais plein de questions. Comment c'était une conférence pour... Non, c'était pas pour expliquer mon parcours ou raconter ma vie. C'était pour... Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent qui veulent faire la même chose ou acheter et vendre des voitures. Donc, j'ai donné les clés en fait que moi, je trouvais pas quand j'ai ouvert mon garage. La banque, l'assurance... création d'entreprise, où se sourcer pour trouver les véhicules, préparation, enfin la totale quoi. Je leur ai donné vraiment toutes les cartes pour pouvoir ouvrir un garage et je leur ai expliqué les points positifs et les points négatifs et que c'était pas non plus donné à tout le monde de faire ce métier. Sauf voilà. Que, problème, quand il a mis cet événement, j'ai dit « Kamel, tu vas avoir trop de monde, c'est sûr », puisqu'il avait pu avoir un cinéma pour faire un événement, vraiment un truc carré. Et il me dit « Non, pas besoin, tranquille, il n'y aura personne qui va venir. » Écoutez-moi, j'ai donné toutes les infos pour la billetterie et tout. T'as mis en vente, enfin en vente, en vente, ben, tu en fait, combien de places t'as fait? On avait 165 places dans une salle de cinéma. Et moi, s'il y avait 50 personnes, j'aurais été trop fier. Parce que je n'avais jamais fait ça, parce que je suis pas, je suis pas dans ce truc-là. Et en fait, toi, tu m'as conseillé de mettre une billetterie parce que sinon, ça allait être full. Parce que je suis suivi par un peu de monde quand même sur Instagram. Et du coup, on a mis une billetterie. On est limité à 160 personnes en une heure full. Et il y avait quoi? Il y avait combien en attente? Je sais pas. Il y avait 200 et quelques personnes. Ouais, c'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Franchement, j'ai été choqué. En gros, s'il faisait pas sa billetterie, il était mort. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, échanger, ainsi de suite. Je l'ai suivi sur Insta et je vous invite à le suivre. Parce qu'il est décalé, c'est le mot, hein. Pour moi, t'es un malade. Borderline. Tout le temps, c'est un malade. Borderline, parce qu'il se prend pas la tête, mais il est ultra carré. Et on arrête de te caresser dans le sens du poil, mais c'est bien de le dire aussi. C'est gentil, c'est un gentil. Un garage carré, il y en a, mais là, ça fait vraiment plaisir de te voir à la maison, en fait. C'est ça, hein. Tu reviendras quand ça sera un peu plus fini. Et du coup, on a dit comme ça, on a bien sympathisé, qu'on a bien rigolé, que le feeling est passé. On a dit, on va le faire travailler à la grange. Il est manuel, il est chaud. Attends, mais entre-temps, je t'ai vendu une bagnole aussi. Entre-temps, j'ai acheté une voiture. Exact. Je t'ai vendu une vraie bagnole. Une vraie bagnole. Voilà. Il était chaud, j'étais chaud. Donc voilà. Okay. Donc j'ai aussi. Une RS3. Une belle RS3, ouais. Exactement. On attaque. T'as pas fini de payer, mais c'est. Arrête, non, c'est pas vrai. J'ai fait un chèque. Une belle RS3. On attaque. Allez, on y va, hein. Feu, je suis chaud. En gros, du coup, la dalle, elle sera à cette hauteur-là. Donc ça sera cette dernière marche qui va apparaître. Qui fait. Tu peux. Me dire de l'autre. 28. 28, tu ouais, 28. Un peu moins quand même. Hein. 28. 27,5. Ça commence. D'accord. C'est un truc de fille, ça. Et donc on va rallonger de la même chose. Donc du coup, je sais pas comment tu veux on faire. On prend la bombe. Oh.
Vas-y. On va le marquer pour le moment comme ça. Ici, voilà, ici ouais, à l'extrémité. À ce moment-là, Vas-y, exact. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme Dev ne sait pas se projeter, on va matérialiser d'abord avec le coffrage, le bois, avant de tout faire. Parce que si jamais ça va pas, une fois que c'est coulé, c'est mort. On est mort. Donc. Alors, ce qu'on va faire du coup maintenant, quand on a décidé comment on allait coffrer et compagnie, on va rentrer des ferrailles comme ça dans cet escalier. On va rentrer une, deux. Je pense qu'on va en mettre quatre ici qui dépassent. Et on va les plier en L. En angle droit. Et on va en faire pareil qui remonte du sol pour qu'on puisse ferrailler tout l'escalier ensemble. Ça va? C'est bon? Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on attache les ferrailles ensemble. On rentre des ferrailles avec le scellement chimique dans l'escalier et dans le sol. On met des ferrailles ensemble avec le god là, qu'il a Kamel dans la main. Et comme ça, ça permet de tout attacher ensemble et de ferrailler bien le tout ensemble. Le but, c'est que ça soit vraiment qu'un seul bloc. Comme ça, quand on le coule, rien bouge et tout est fixe. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça travaille ni à gauche ni à droite, parce qu'après, de toute façon, ça ne travaillera pas parce que la dalle, elle va aller contre. Vu la puissance de la chape anhydrique qu'il va y avoir autour, on va pas avoir de problème. Mais plus on ferraille, plus on le fait tenir, mieux c'est. Et c'est pour ça justement qu'on fait en sorte d'attacher avec les ligatures partout, pour que ça soit nickel. Du coup, maintenant qu'on a tout attaché, coffrage. On met la planche, on va mettre la planche à niveau, au même niveau que cette marche-là. Et on va faire un coffrage autour pour faire une marche plus grande. T'es chaud? Allez, on y va. Ça va pour un mec pas manuel? Franchement, c'est tranquille pour l'instant. Ah, de la chape à l'arrivée. Et j'ai un bon professeur. T'as déjà conduit une remorque? Une fois, ouais. Le duel du jour, parce que Monster, il est dans les travaux. Moi, ça y est, je t'ai embauché. Il est dans les voitures. On va faire un triel. Vous avez déjà joué à Gran Turismo. Le but, ça va être de faire une manœuvre avec la remorque. Et tout le monde va jouer. Même Deb, elle va vous faire une belle... Je sais pas faire. Voilà. Donc, vous allez voir ça. Installation. Et on démarre Gran Turismo. Il va falloir filmer. Il va falloir reculer. Reculer. Passer entre les plots en marche arrière. Ça va être le challenge. D'accord. Reculer droit pour passer en marche arrière. D'accord. Et t'as vu qu'il y a un tas de... Il faut s'arrêter. Ah, carrément, on rentre entre les deux? Ah oui, tu rentres entre les deux. Genre après la brouette? Ah non, tu rentres entre les deux plots. C'est tout? Ouais, tu vas partir de là. D'accord. Je vais te poser à un endroit. Ouais. C'est moi qui te pose. Ouais, pas de soucis. Ok, toi tu poses Deb. D'accord. Tu mets la voiture comme tu veux. T'as compris, hein? Ouais, ouais. Moi je mets la voiture comme je veux, elle met la voiture comme tu veux, toi tu mets la voiture comme je veux. D'accord. C'est bon? Non, mais moi j'ai jamais y arrivé. Allez, go, on démarre direct. Par contre, un petit contrôle véhicule. Ouais, d'abord, moi je conduis pas n'importe quoi. D'abord, je check. Disque plaquette, on va voir un petit peu. C'est comment ils appellent les gens cette voiture? Comment? La Mégane Berber, frérot. Le ciel de toi. Oh putain! Disque arrière. Oh, ils sont récents ceux-là. Ouais, il y a que ça qui est récent. Les pneumatiques arrière sont quasiment neufs. À l'avant, c'est limite. Hein. Je te positionne et ça tombe. Allez, c'est parti. Et voilà, ici où ça va être dur. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Il doit se garer entre les plots, regarde. Entre les deux trucs noirs et j'ai mis un plot, moi. Pas trop. Ah merde. Oh, heureusement qu'on n'a pas mis le chrono. Ah, c'est pas possible. De l'autre côté. Pense braque à gauche. Ça y est, j'ai compris, mais c'est trop tard. Je suis dedans, là. C'est bon. Non, mais là... Bon, vu que j'ai été bon, je vais te guider. Là, non, c'est très bien, je te promets, y'a rien, t'inquiète pas. Oh, j'ai pété un plomb. Vas-y. Droit? Mais non, droit. Mais oui, t'inquiète. Vas-y, faut te rentrer. Ouais. Bon, je suis obligé de gagner. Plus de 3 minutes, 2 minutes 50. Je vais même mettre des plots serrés, vous allez voir. Vas-y, mets la voiture, frérot. Moins de 3 minutes. Non, braque à droite. Là, il va falloir que je le gêne un peu, là, parce que sinon, il est trop bon. Ah, il est trop fort. Il fait le malin, regarde-le, il fait le malin. Il met la haine. Ah, c'est trop facile pour lui. Ah, il s'est noyé. Ah, il s'est noyé. Non! Si tu touches, ça compte pas! T'as touché? Bravo! Pas mal. T'as confondu vitesse et précipitation. Vitesse et précipitation. C'est deux choses différentes, mais il a été. Je pense que combien il a fait? Ouais, y'a rien à dire. Bon, il faut respecter l'organigramme. Il est timide, il dit des conneries. Off, et pendant la caméra, il fait pas. Bref.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu à la maison. En plus, t'es venu pour perdre. C'est, ouais. C'est dur hein, d'entendre ça. C'est, j'ai la haine. J'ai si la vous haine. Avez besoin, vraiment, je le dis. Il n'a pas perdu, ouais, c'est lui qui a perdu. Je suis avant-dernier quand même. Avant-dernier. Je suis deuxième, mais je suis avant-dernier. Deuxième des perdants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'une voiture, d'un cheval, d'une moto, d'un quad, bateau. D'un bateau, de tout ce qui a. Tout ce qui est loisir, jouer, plaisir. Et si vraiment pas passé avec Kamel, on a passé un putain de bon moment. On a pris un cadeau pour toi aussi pour te féliciter. Ah, c'est gentil. Pour te remercier plutôt, te féliciter. Alors, je peux pas te féliciter, t'es. Ouais, non. Cadeau dans 3, 2, 1. Manière de marquer le coup. C'est quoi ce saut? Ce saut décalé. Vous avez compris, c'est ça. La vérité du direct. On lui a fait un petit cadeau, un petit pull. Et merci en tout cas, frère. Franchement, nickel, merci, il est vraiment beau. Et on clôture cette vidéo. Tu fais un petit. T'as vu nous, comment on clôture la vidéo? 3, 2, 1 et on jette à main. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, t'es chaud? Allez, 1, 3, 2, 1.